Qu'est-ce que ça représente, le riz chauffé dans la culture créole? Le riz chauffé, c'est toute la culture créole. C'est ce qu'on mangeait quand on était petit. C'est ce que le matin, c'était pas sous cette forme-là, bien sûr, parce que c'était le reste de carie et de riz de la veille. Les mères, depuis qu'elle est là ce matin, qu'est-ce qu'on l'a fait? Là, moi, pour faire maïs chaud. Maïs chaud. Et depuis quelle heure? 3h30. Pour s'aider là-haut, pour qu'on vienne. Là, moi, je viens pour faire plaisir à toute l'association. C'est toi qui fais le riz chauffé? On dirait, ouais. Depuis quelle heure? Oh, on a commencé à tourner, il devait être 6h du mat. Je crois qu'au total, on a 140-160 kilos de riz. Madame a dit le curry, les meilleurs le lendemain, c'est vrai ça? Ah ben oui, dépend quel curry aussi, ouais. Mais ici, comment les préparer aussi? Mais oui, c'est le lendemain les meilleurs. Quel artiste vous l'avez écouté? Tifok. Ah ben oui. Quel morceau Tifok vous aime bien? Hein? Hein? Bateau, c'est pas bateau? Non. Le port. Et puis moi, hein? T'as pas Docker, ça? Ah, ça va! Docker! Chantez un bout pour moi, là! Ah, non, non, non! À cause, non! Et moi? Allez, si on chante bien! Non, 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 non! Allez, là! Ça même ton musique, mon caraf! Rode pas des hommes, il est là! Ça même Maloya! Ton identité, ton histoire! Allez, là! C'est blanc côté noir, pour les temps pour toi, mais sans manière, pour cabailler les rouvets.